contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer un article inédit sur un site aussi inédit, je pense que vous connaissez. C'est la youtubeuse Nini93K. Elle a ouvert pas mal de temps sa boutique qui se nomme l'Atelier Magique. Je vous mettrai en barre d'infos son site si vous voulez commander cet objet ou autre objet qu'elle fait. Elle fait pas mal de choses elle-même, les baguettes, tout ça. Je vous laisse aller voir sur son site. C'est super. Moi, j'ai commandé l'article manche qui coûte 8 €, si je me rappelle bien. Je suis une grande fan de Choco Grenouille, tout ça. Je vais vous montrer ça après. Mais avant tout ça, je vais vous dire un petit truc. Oui, tous les mois, je vous ferai une petite vidéo sur un article d'un youtubeur connu. Il y en a pas mal qui vous ont ouvert leur boutique et je veux partager ça avec vous. Mon avis, tout. Il y a Harry Potter, Animal Crossing, il y aura des vêtements, tout ça. Et aussi, je vais inclure dans cette série de vidéos le youtubeur Ben HPTS. Vous savez qu'il avait fait une box, la box sur demande. Je la mettrai, vous inquiétez pas, dans cette série. Mais avant de commencer, bah, je pense que j'ai tout dit. Voilà le petit objet que elle-même a emballé. J'ai caché mon adresse, tout. Elle a mis un petit, une petite image collée, une petite hibou, je pense, dans ce petite boîte qui tout fait elle-même. C'est un petit article que je suis très contente d'avoir. C'est elle qui a créé tout ça avec une créative, une création, un créateur de Instagram. Et on va découvrir ça tout de suite. En premier, vous retrouvez la facture. Je vous dis les prix, tout. Cet petit objet m'a coûté 8 €. Et vous payez un frais de port qui est de 2,64 €. Ça va, en tout, vous avez un petit objet d'un youtubeur en tout 10, à peu près en tout 10 €. Voilà, ça vous fait un petit souvenir de ce youtubeur en même temps si vous êtes fan de celui-ci. Vous avez une petite carte, la personne qui a créé avec elle. Voilà comment ça se présente. Voilà. Vous trouvez un petit autocollant de les bouteilles de citrouille, je sais plus comment, jus de citrouille, voilà. C'est sympa. Elle nous fait des petits cadeaux en plus. Bon bah, elle a mis ça pour caler tout. Vous avez, il y a quoi au fond de la boîte? Attendez que je l'attrape. Si j'arrive à la trouver. Hop là. Ah, c'est une carte postale avec les bonbons chez Libby. Si j'arrive bien à dire. Et d'ailleurs, vous avez son petit logo de sa boutique. Je trouve ça sympa. C'est sympa, une petite carte en cadeau en plus. Et l'objet en question, le voici. Voilà, si vous suivez Av sur son Instagram. Elle avait sorti des salamandres de la Madame Praline et vous avez 3 cartes dedans. Et dedans, vous pouvez avoir une collector. C'est celle-là qui a un effet brillant, différent. Et on va ouvrir ça tout de suite. Quand vous l'ouvrez, je pense que là, c'est la petite salamandre. Pourquoi j'ai pris cet article? Je suis une grande fan des Choco Grenouille. J'adore les cartes, tout ça à collectionner. Je suis collectionneuse. J'adore collectionner plein de choses. Et là, quand elle a dit sur son Instagram que pour sa deuxième collection, elle sortait des, pas des chocos grenouilles, mais des chocos salamandres. Elle va dire qu'elle nous avait dit que dans les prochaines collections, il y aura la suite des cartes. Vous verrez peut-être les prochaines cartes dans cette série de vidéos que je vais faire. Là, il y en a 3 et dans les prochains temps, bah, vous verrez les autres. Vous voulez partager quand même avec vous si vous avez vu cette première vidéo et voir si ça vous plaît ou pas. C'est bien, ils font des articles, mais des fois on voit en image si ça nous plaît ou pas. Là, vous aurez mon avis, tout. Je trouve ça sympa. La première carte, la voici. Vous avez la photo de du personnage derrière son mince, c'est flou, je pense. Son description. Je trouve ça sympa, il y a l'année d'aujourd'hui, elle parcourt le monde afin d'approfondir ses recherches, tout ça en
Astronomie. Je ne sais pas dire le nom du personnage, pardon. C'est Astal. Extal. Tatéral. Désolé. Très bien, moi et mon truc. Hein. Je vous montre tout de suite. Je vous inviterai à, sur mon Instagram. Vous mettrez des belles photos. Vous avez une. Ah, c'est une carte rare. C'est l'effet brillant. Elle est sympa. J'en ai une sur trois. C'est une chance. Je ne suis plus sûre combien. Plus pour les avoir. Non, ça va pas trop bien. Son nom, lui, c'est Gaston Dragon Dressant. C'est quoi son truc? Sorcier à avoir élaboré les célèbres sortilages de réparation de baguettes. Sympa. Je trouve ça sympa. J'ai une carte spéciale. Et la petite dernière. La voici. C'est Moiral Espoonal. Il est quoi lui? Elle dédie sa vie à élever et sauvegarder les jeunes dragons. C'est pas mal, c'est sympa. C'est comme une petite chocogrenouille. Mais là, c'est plein de petits personnages. J'ai trop hâte d'avoir la nouvelle collection de ces chocogrenouilles. Pardon, Salamande, pour avoir toute la suite de la collection. Voilà la petite Salamande. Si vous commandez, vous n'aurez jamais les mêmes salamandes. Il y a plein de couleurs différentes. Je trouve ça sympa. Et elle a un effet. C'est fait à la résine, tout ça. Je trouve sympa. Super chouette. Petite salamande. Les cartes, franchement, sont sympas. Voilà les trois petites cartes différentes. Et en plus, on a une rare qui était dedans. Je trouve ça sympa. Franchement. Encore des objets à collectionner. Vous voyez très bien que c'est bien fait par elle-même. On voit bien, c'est bien. Ça doit être pas parfait, parfait. Mais oui, il y a un petit. Voilà, un petit rebord. C'est fait elle-même, c'est fait main. Et je trouve ça sympa parce que c'est des créations qu'ils font eux-mêmes. Et je trouve ça sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu un article de Nini93K. J'espère que cette série de plusieurs vidéos sur des créations de youtubeurs va vous plaire et je vous dis à la prochaine. Allez, bye, bisous bisous, et aussi n'oubliez pas en mettant en commentaire si toi aussi t'as déjà commandé sur son site, et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker et t'abonner. Allez, bye, bisous bisous.